Seigneur, cela veut dire que nous pouvons mal commencer. Mais si nous prenons Jésus-Christ comme appui, nous allons bien terminer. Et c'est ça notre recherche, Seigneur, ce soir, durant tout ce programme, Seigneur de Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Prends contrôle de ce lieu, prends contrôle du message. Dispose nos cœurs, dispose notre être. Que notre pensée soit figée sur toi. C'est notre personne qui soit figée sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je dois arriver à un autre niveau de ma vie. Quelqu'un dit amen bien. Alors j'aimerais qu'on lise d'abord un texte. Ce texte se trouve dans Jérémie 29. Nous commençons à partir du verset 7. Jérémie chapitre 29 à partir du verset 7. Oui. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Et quoi, priez l'Éternel en la faveur de la ville où vous êtes quoi, esclave, vous êtes quoi, en captivité. Oui. Parce que votre bonheur dépend du sien. Il dit que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire que votre bonheur dépend de quoi? Du lieu où vous souffrez. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Oh, oui, il dit votre bonheur dépend du lieu où vous êtes en captivité. Oui.
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées, oui. Le Dieu d'Israël. C'est important, oui, cette partie, oui. Ne vous laissez pas tromper dit, par. Ne vous, pas, ne vous laissez pas tromper par, oui. Par vos prophètes. Par vos prophètes, hein, oui. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Et par vos devins. Oui. N'écoutez pas vos songeurs. Pourquoi? Il dit, ne vous laissez pas tromper, un, par vos prophètes, deux, par qui? Par vos devins. Trois, par vos songeurs. La personne qui parle, c'est Dieu. Oui. Dont vous provoquez les songes. Il dit, donc quoi? Vous provoquez les songes. Il dit, donc vous provoquez quoi? Les songes. Donc, il provoque. Donc, les songeurs provoquent les songes. Ça veut dire que ceux dont ils ont envie de songer, c'est ce qu'ils songent. Amen. Et ce qu'ils songent, ils pensent que c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Oui. Car le mensonge, oui, qu'ils vous prophétisent en, oui, mon nom, oui, je ne les ai point envoyés. Il dit, je ne les ai point envoyés. Dit donc, l'Éternel. Donc, dès qu'une prophétie sort, cette prophétie peut être une vérité. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, cette prophétie-là sort du cadre de la vérité. Amen. Amen. Donc, une prophétie est fausse. Un, lorsque ce message qu'on dit ne vient pas de Dieu. Deux, une prophétie est fausse. Tu peux recevoir un message, mais est-ce que Dieu t'a dit de donner le message? Amen. Donc, la véracité d'un message, d'une prophétie dépend de quoi? Dépend du message, du contenu et de celui qui nous envoie. Amen. Amen. Donc, ce qui fait la prophétie, c'est la source de la prophétie et de quoi? Et du contenu de la prophétie. Amen. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Ce qui fait une prophétie, c'est la source qui émet la prophétie et le contenu de la prophétie. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir une prophétie contenant de belles paroles, mais si la source n'est pas Dieu, c'est une fausse prophétie. Amen. Donc la prophétie n'est pas là pour dire de bonnes choses. La prophétie est là pour nous donner quoi? Un message venant de Dieu. Amen. Continue. Oui, il est. Mais voici ce que dit l'Éternel. Oui. Dès que 70 ans, oui, seront écoulés pour écoulés, Babylone, oui. Oui. Je me souviendrai de vous, oui, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en, oui, vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant, oui, dans ce le lieu. Verset 11. Mm-hmm. Car je connais les projets, je connais les projets que j'ai formés sur que vous. Que j'ai formés sur vous, oui. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, oui. Projet de paix. Et dit quoi, projet de paix? Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner. Afin que quoi? Afin de vous donner, oui, un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez suivre tous nos cultes sur YouTube. Hein? Tapons prophète Béranger, quoi, si abonnez-vous, envoyez le lien. Comme je disais tout à l'heure, le thème de tout ce temps-là, nous allons démarrer doucement. Comme je dis, nous allons démarrer doucement. Nous allons démarrer doucement. Et on va évoluer au fur et à mesure. Amen. Parce que le message, le thème même du message, c'est l'autre niveau. Quand je veux te parler d'un autre niveau, je suis en train de parler d'une autre étape de ta vie. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Un autre niveau, c'est une autre situation de ma vie. Un autre niveau, c'est une autre direction. Un autre niveau, c'est, j'ai envie de dire que un endroit où je dois accéder. Amen. Amen. Mais on dit autre niveau. Autre niveau veut dire quoi? C'est quelque chose qui doit être différent de quelque chose. Amen. Amen. Le mot autre, parce que si c'est semblable, ce n'est plus autre. Le autre vient faire quoi? Vient pour remplacer quelque chose qui est déjà là. Amen. Amen. Donc, passer à l'autre niveau, il y a deux choses. Soit tu es capable, suis-moi bien, soit tu es capable de vivre, revivre une ancienne chose que tu as déjà délaissée. C'est aussi autre chose. Je reprends. Amen. Tu es semblable de vivre, tu es capable de revivre quelque chose d'autre que tu as déjà vécu auparavant. Ça aussi, c'est autre chose. Mais le thème qui nous réunit aujourd'hui, nous, l'autre chose que nous voulons vivre, c'est autre chose au niveau supérieur. Amen. Amen. En fait, je suis en train de dire que nous sommes à un niveau où nous avons déjà vécu quelque chose. Et le stade dans lequel toi et moi nous tenons, c'est ce que nous avons déjà vécu. Ça ne nous suffit plus. On veut quoi? Quelque chose de l'étape supérieure. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ah oui, ça c'est important. On veut quelque chose de l'étape supérieure. Donc vivre quelque chose d'autre niveau, dans le thème dans lequel Dieu veut nous transporter, c'est vivre quoi? Vivre quelque chose en dehors de ce que toi et moi nous avons déjà vécu. Amen. Ah non, tu ne m'as pas encore entendu bien. J'ai dit bien, c'est vivre quelque chose que toi et moi nous avons déjà vivre quelque chose au-delà de ce que nous avons déjà vécu. Car ce que nous avons déjà vécu nous a quoi? Nous a conduit à là où nous sommes. Or là où nous sommes ne nous suffit plus. Nous voulons monter encore plus haut. Amen. Donc pour aller plus haut, nous avons besoin de quoi? D'aspirer aux choses supérieures. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ah, vivre le niveau, vivre autre niveau, nous aspirons à vivre quelque chose de nouveau.
nous aspirons à vivre quelque chose de différent. Différent de ce que nous avons déjà vécu. Mais c'est différent, c'est différentes nouvelles choses. J'ai envie de dire, nous avons envie de vivre de nouvelles choses. Mais les nouvelles choses que nous voulons vivre, nous ne voulons pas vivre des anciennes choses qui vont devenir nouvelles. Non. Parce que quelque chose d'ancien devient nouveau. En fait, c'est nouveau ancien. Amen. Mais nous voulons vivre quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Et la Bible va nous dire quelque part dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit quoi? Il dit ce que quoi? Les oreilles de l'homme n'ont jamais entendu. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ah, c'est ce que Dieu a quoi? Prévu pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que Dieu même, son désir et son aspiration, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous découvrons des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Amen. Des projets qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. C'est ce niveau supérieur là que toi et moi, nous devons accéder. Dis amen bien. Amen. Mais pour arriver à ces différents niveaux, il va falloir que toi et moi, nous découvrons beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Nous allons traiter tout ce thème-là et je sais que ça vous fera du grand bien. La Bible va dire dans Jérémie chapitre 29, le peuple d'Israël, quand tu prends la situation du texte passé, si je prenais simplement le verset 11, vous n'allez pas comprendre le niveau dans lequel Dieu est en train de parler. Dieu donne une prophétie, il parle à son peuple et il a dit quoi? Il dit priez pour le pays dans lequel vous êtes quoi? En captivité. Quand on dit captivité, ça veut dire que tu es possédé. Quand on dit captif, c'est quelqu'un qui est esclave. Amen. Et le peuple qui est esclave en Babylone, c'est le peuple de Dieu. Le peuple à qui Dieu avait dit quoi? Que tu seras la tête et non la queue. Le peuple qui a dit que tu seras quoi? Toutes les nations te seront assujetties. Mais voilà maintenant, ce peuple est assujetti aux nations. Amen. Non, vous m'avez pas dit amen. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 29 que tous les peuples reconnaîtront quoi? Que je suis l'Éternel. Et quoi? Ils seront soumis à vous. Donc normalement, tous les peuples doivent être soumis à Israël. Amen. Amen. Mais on voit que, au lieu que le peuple soit, ou du moins les nations soient soumises à Israël, c'est Israël qui est soumis au peuple d'Israël. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'Israël, au départ, avait un niveau. Il avait vécu un niveau de grâce, un niveau d'élévation. Mais à cause de sa manière de vivre, ils ont quitté le niveau où Dieu les avait placés et ils sont descendus plus bas. Amen. Amen. Peut-être que toi et moi, tout allait bien. Et tout d'un coup, on a changé de niveau. Au lieu qu'on tout évolue dans nos relations, dans nos affaires, dans nos activités, on est descendu au niveau le plus bas. Amen. Amen. Le niveau de plus bas, suis-moi bien. Le niveau de plus bas, c'est ce qui est différent de ce que Dieu demande. Le niveau le plus bas, c'est le contraire de ce que Dieu souhaite pour nous. Amen. Amen. Et quand nous vivons ce niveau le plus bas, nous devenons captifs des autres. On ne peut plus marcher comme on veut. On ne peut plus agir comme on veut. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont devenus captifs? C'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils soient captifs. Amen. C'était le désir de Dieu qu'ils soient tous supérieurs. Mais leur manière d'agir envers Dieu a fait que quoi? Ils se sont éloignés de Dieu et eux-mêmes se sont mis quoi? Sous l'emprise des autres. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui nous avons perdu certains privilèges, bien aimé, ce n'est pas que ces privilèges-là, Dieu ne nous a pas accordé ces choses. Non. Dieu, ces privilèges étaient disponibles et c'était le désir de Dieu. Mais si nous avons perdu ces privilèges, cela veut dire que nous avons perdu notre position vis-à-vis de Dieu aussi. Amen. Parce que c'est notre position vis-à-vis de Dieu qui fait quoi? Qui fait que Dieu nous accorde beaucoup de privilèges. Mais ces privilèges-là, pourquoi ça a disparu? Ça a juste disparu parce que nous avons changé de quoi? De niveau avec Dieu. Au lieu que nous évoluions avec Dieu, pour que Dieu évolue aussi dans ses promesses, nous avons quoi? Nous avons cherché à quoi? À descendre. Aussi, si nous descendons, Dieu aussi ne va pas descendre avec nous. Ah, c'est ça. Quand nous montons, Dieu monte avec nous. Mais quand on descend, Dieu ne descend pas. Il est toujours au même niveau. Amen. 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 Et ce qui est bizarre, Dieu dit à son peuple, priez pour le pays où vous souffrez. Comment quelqu'un peut prier pour là où il souffre? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils sont en Babylone, les maltraitent. Dieu les voit et Dieu dit, priez pour le pays où vous souffrez. Donc, priez pour qui? Pour ceux qui sont en train de vous maltraiter. En d'autres termes, ils sont en train de dire, Seigneur, oh, prie pour celui qui me frappe tous les jours. C'est-à-dire que quand tu pries pour lui, frappe-moi tous les jours, aujourd'hui, tu as donné 2 coups. Demain, c'est 10 coups. Amen. Et Dieu dit, priez pour le pays, car quoi? Votre paix en dépend. Attends, quand quelqu'un est esclave, il n'a plus de paix. Amen. Il n'est plus en paix. Donc, normalement, Dieu est censé donner la paix à ce pays. Mais Dieu dit, pour que je vous donne ma paix, amen, non. Pour avoir la paix, je vous donne autant pour moi. Pour avoir la paix, il faut quoi? Priez pour le pays qui vous ôte la paix. Amen. Pour avoir la paix, priez pour le pays qui vous enlève la paix. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment prier pour ceux qui m'ôte la paix? Amen. Amen. Cela veut dire qu'il y a un niveau où nous devons atteindre. Ou quoi? Même dans les faiblesses, même dans la maladie, on ne renie pas Dieu. On continue de bénir le nom du Seigneur pour qui nous sommes en ce moment. Et Dieu se souviendra forcément de nous. Amen.
Et il dit, ne vous laissez pas tromper par les songeurs, par les prophéties et autres. Amen. C'est très important. Il dit, ne vous laissez pas tromper par les prophéties, ni par les songeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors que le peuple était en captivité, les prophéties qui venaient, c'était quoi? Vous allez sortir. Amen. Dieu va vous visiter. Laissez-moi vous dire que il y a des prophéties. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu va pas te visiter. Mais il y a un temps tracé par Dieu pour te visiter. Amen. Oh, ils ne m'ont pas dit amen bien. Comme le peuple a péché, ils sont tombés en captivité. Et là, suis-moi bien, les conséquences, en fait, ce sont les conséquences de leurs actes qui les envoyaient où? En captivité. Et les conséquences de tes actes sont mesurées en fonction du temps de Dieu et non en fonction de toi, ton temps. Amen. Donc, ça veut dire qu'ils doivent quoi? Ils doivent subir forcément les conséquences que Dieu a prévues à cause de leurs actions. Mais Amen. Comme le peuple aime quoi? Aime qu'on les fasse rêver. Donc, les prophètes qui venaient, au lieu de prophétiser ce que Dieu demande, qui est quoi? La repentance. Ils ne prophétisaient pas la repentance pour que le cœur, quoi? Le cœur du peuple puisse rechercher Dieu lui-même. Mais ils disaient, ça va aller, demain sera meilleur. Comment demain peut être meilleur si ce peuple est loin de ses dieux? Amen. Comment il va dire amen? Amen. Ça veut dire que ne nous rendez pas souvent faux. Ne rendez pas les hommes de Dieu souvent faux. C'est vrai que nous recherchons tous la paix. Mais pour que la paix vienne autour de toi, est-ce que toi-même tu reconnais d'abord que tu as fauté? Amen. Donc ces prophètes étaient en train de... Suis-moi bien. Ces prophètes et ces rêveurs, ces songeurs, ces devins étaient en train de faire espérer le peuple pour dire quoi? Que c'est le moment de la visitation. Pas parce que le moment de la visitation n'allait pas venir. Mais en ce moment-là, c'est pas le plus important, ce n'est pas le moment de la visitation, c'est le moment de quoi? De la repentance. Comment faire espérer quelqu'un alors qu'il doit se repentir? Comment faire, suis-moi bien, comment faire avancer quelqu'un alors que ce qui bloque sa vie, c'est lui-même? Comment faire dire à quelqu'un que ça va aller, tu vas te marier, alors que la personne vit dans certaines choses qui l'empêchent de rentrer dedans? Amen. Moi, je ne veux pas dire amen bien. Amen. Hein? Voilà pourquoi Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Donc, il disait au peuple ce qu'ils avaient envie d'entendre. En d'autres termes, il vendait au peuple ce que le peuple avait envie de quoi d'avoir. Nous devons arriver à un niveau où nous ne cherchons pas à avoir les choses pour nous, mais nous cherchons à avoir des choses selon quoi? La volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ça veut dire qu'une prophétie peut être de belles paroles, mais elle peut ne pas venir de Dieu. La prophétie qui vient de Dieu, c'est celle qui nous repositionne quoi? Dans l'amour de Dieu et dans sa sainteté. Amen. Je reprends. La bonne prophétie de ta vie, c'est celle qui te positionne dans l'amour et dans la sainteté de Dieu. Je ne parle pas dans ta sainteté, mais dans la sainteté de Dieu. Amen. On est captif, on veut être délivré. Mais la délivrance ne viendra pas par quoi? Par des paroles positives au peuple. Ça va aller, ça va aller. Alors que ce qui fait que ça ne va pas, c'est nous-mêmes. Changement de situation dépend de quoi? Du changement de ta personne. Amen. Ah. Dis amen bien. Amen. Mais Dieu les rassure. Alors que ce peuple est en train de souffrir, Dieu dit, vous n'avez pas encore pris conscience. Les paroles dont vous avez besoin, c'est de vous rapprocher de moi. Une fois que vous commencez à vous rapprocher de moi, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que j'ai formé, il faut qu'on comprenne une chose. C'est vrai que vous vivez le malheur en ce moment. C'est vrai que vous traversez des difficultés. C'est vrai que vous vivez des choses contraires à cause de votre manière de vivre. Mais sachez une chose, ce que vous êtes en train de vivre n'a jamais fait partie de mon plan. Ça n'a jamais fait partie de ma volonté. Il dit, car quoi? C'est vrai que vous souffrez, mais j'ai conçu pour vous quoi? Des projets de paix et non de malheur. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de dire quoi? Le malheur dont vous êtes victime, ce n'est pas des malheurs d'épreuve. Ce sont des malheurs que nous-mêmes avons provoqués à cause de notre désobéissance. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas, suis-moi bien, c'est pas parce que tu dis des malheurs que Dieu souhaite ton malheur. Donc, si Dieu dit, j'ai conçu des projets de paix et non de malheur, c'est parce qu'il a vu ce peuple à souffrir et ce peuple disait quoi? Seigneur, c'est toi qui nous fais souffrir. C'est à cause de toi, rien ne va. Non, Dieu situe les responsabilités. Et l'une des responsabilités que Dieu situe, Dieu dit, il faut que je vous dise, bien vrai que vous souffrez en ce moment, mais je n'ai jamais une seule fois conçu dans mon plan que vous souffrez comme ça. Je n'ai jamais conçu ça. Quand je vous ai créé, je vous ai créé avec des projets de paix et non quoi? De malheur. Donc le malheur même, il y a certains malheurs que c'est nous-mêmes qui partons chercher. Amen. Il y a des malheurs qui ne font pas partie du programme de Dieu. Mais tellement que nous avons envie de réussir, envie de plaire aux gens, nous créons des malheurs là où quoi, le bonheur devait se créer. Amen. Dieu dit, je vous donne des projets de paix et de bonheur. Il dit, afin que vous ayez quoi? Un avenir et de l'espérance. Pourquoi Dieu précise ça? Dieu précise pourquoi? Parce que ce peuple-là, à cause de quoi?
à cause des difficultés, ils ont commencé à ne plus croire au futur. À cause de ce qu'ils souffraient, ils ont commencé à ne plus croire que demain ça va aller. À cause de la souffrance de la maladie, à cause de la souffrance de quoi? Des problèmes. À cause de la souffrance causée par les problèmes, ce peuple-là ne croit plus qu'ils auront un lendemain meilleur. En d'autres termes, ils vont retrouver cette liberté d'avant, ils ne croyaient plus. Dieu dit, ce n'est pas parce que vous souffrez que vous devez perdre l'espoir. Non, non, non. Non. L'espoir est toujours disponible. L'avenir est toujours disponible. Mais cet avenir-là, ça ne va pas dépendre de vos désirs. Ce n'est pas parce que vous aspirez à être libre que vous aurez la liberté. La vraie liberté qui consiste à avoir un avenir meilleur sera tracée par moi et non par vos désirs d'être libéré. Amen. Et non par vos désirs d'être libéré. Donc pour avoir un avenir, l'avenir c'est quoi? L'avenir c'est le futur. L'avenir, c'est le soin de quelqu'un dans le temps. C'est l'évolution de quelqu'un dans le temps. En d'autres termes, l'avenir, c'est la personne meilleure qu'on souhaite devenir plus tard. En d'autres termes, une version quoi? Meilleure de nous-mêmes, où nous sommes dans le bonheur et dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Dieu nous dit que ces projets-là d'avenir, que l'homme se fixe, ces projets-là ne dépendent pas de lui, ses pensées. Ce n'est pas parce que le peuple d'Israël souffre qu'il désire qu'ils seront libérés, qu'ils seront libérés. Non. La vraie liberté qui va faire de un avenir quoi supérieur, c'est la liberté qui vient de quoi? De Dieu. Amen. Donc quand, suivez-moi bien, l'avenir de quelqu'un ne dépend pas de ses compétences. L'avenir de quelqu'un ne dépend pas, suivez-moi bien, de ce qu'il a ou n'a pas. L'avenir de quelqu'un, c'est qui est le Dieu qui trace son avenir. Amen. Ah, je sais de quoi je suis en train de dire. Dieu mesure mes mots, c'est très important. Ce que tu dois devenir demain, ça ne dépend pas de tes efforts personnels d'abord. Ça dépend de celui qui trace l'avenir. Ça veut dire, ton avenir n'est pas tracé par toi. Le destin que tu dis non, c'est mon destin. Mais quand tu dis c'est mon destin, non seulement ce destin, toi tu ne le connais pas. Mais pour pouvoir découvrir ce destin-là, il faut connaître celui qui l'a tracé. Donc ce que tu dois devenir demain, suis-moi bien, ce ne sont pas les objectifs que tu te fixes. Ce n'est pas ce dont tu rêves tous les jours qui prouve que c'est ton avenir. Ce qui fait ton avenir, c'est quoi? C'est Dieu qui doit tracer d'abord ton avenir. Donc sans Dieu, nous n'avons pas quoi? De futur, c'est ce que ça veut dire. Il dit, j'ai conçu de projet de paix et de bonheur, et non de malheur. Il dit, afin de vous donner un avenir. Donc j'ai un avenir lorsque Dieu nous donne quoi? Des projets. Amen. Donc ce qui doit faire ton avenir, c'est quoi? C'est ce que Dieu pense de toi. Je peux dire quelque chose entre parenthèses, mais comme on est ivoirien, il faut que je prenne pour que tu comprennes bien. On nous dit que le succès de ce pays repose sur quoi? Donc dit l'avenir de ce pays repose sur quoi? L'avenir. Il y a longtemps, ça, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Que l'avenir de ce pays repose sur quoi? Repose sur les capacités que nous avons. Je suis d'accord, mais c'est entièrement faux. Parce qu'on peut avoir toutes ces capacités et ne jamais réussir. Ça veut dire que le réel avenir d'une nation, d'un pays, ne doit pas d'abord reposer sur ses habitants, ni sur quoi? Ses capacités. Mais d'abord sur le Dieu du pays. Amen. Une fois que le Dieu du pays valide, alors les compétences appliquées vont participer à l'avenir que Dieu a créé. Je reprends. Une fois que Dieu est invoqué, nous acceptons ce Dieu-là. Ce Dieu-là fait quoi? Trace un avenir. Alors nous utilisons quoi? Nos capacités pour faire quoi? Pour marcher dans l'avenir que qui a tracé? Dieu a tracé. Amen. 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 Et il dit pour vous donner de l'espérance. L'espérance, c'est le fait de quoi? L'espérance, c'est le fait de croire que demain sera meilleur. C'est d'attendre et d'être sûr que demain sera meilleur. D'où vient cette assurance que demain sera meilleur? C'est Dieu. Personne ici, suis-moi bien. Le passé est déjà passé. Le passé, d'autres sont en train de le savourer, ils le regrettent. Le futur, on le vit. On le vit, autant pour moi. Le futur, on le vit, autant pour moi. Le présent, autant pour moi, on le vit. Donc le passé, il est un souvenir. Ça peut être des bons comme mauvais souvenirs. Mais le présent, on le vit. Mais le futur, on le craint. Amen. Je reprends. Le passé, c'est ce qui est déjà vécu. Donc il est un souvenir. Ça peut être de bons souvenirs comme de mauvais souvenirs. Mais le présent n'est pas un souvenir parce qu'actuellement, on le vit. Mais le futur, c'est ce qu'on craint. Pourquoi on craint le futur? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc la meilleure façon, Dieu dit quoi? Il faut que tu aies l'assurance de ce que tu n'as pas encore vu. L'homme a toujours peur des surprises. On dit amen. Amen. On a toujours peur des surprises, non bien. On a toujours peur des surprises. Parce qu'une surprise peut être
de mauvais augure comme de bonnes augures. Donc le futur est quelque chose de concret. Donc Dieu dit, pour que notre futur soit meilleur, que nous ayons l'assurance que, quels que soient les événements, on n'aura pas de mauvaises nouvelles qui vont nous troubler. Il va falloir qu'on découvre ces projets. Donc ce sont les projets de Dieu qui donnent l'avenir à quelqu'un. Ce sont les projets de Dieu qui nous donnent quoi d'espérer. Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer parce qu'il faut espérer. Il ne faut pas dire ça va aller parce que quoi, tu dis ça va aller. Non. Dis ça va aller, pourquoi? Parce que tu as découvert les projets de Dieu. Amen. Donc qu'est-ce qui fait mon avenir? Qu'est-ce qui fait que je pense que demain je serai grand, je serai bon? Je vais réussir. Qu'est-ce qui me fait donner cette assurance malgré que tout est difficile? Que je pense que demain sera meilleur. Ce n'est pas que sur moi bien. J'ai une pensée positive ou bien je récite cela chaque jour. Ou bien parce que les gens m'ont dit de dire que je répète. Non, je le dis parce que j'ai découvert les projets de Dieu. Ce qui va te permettre d'avoir un futur glorieux, c'est de découvrir les projets de Dieu. Donc tant que tu vas quoi? Tu ne vas pas découvrir les projets de Dieu, tu n'auras pas un avenir certain. Tu vas vivre dans l'incertitude, dans la crainte. Et deux, tu ne vas jamais espérer que quelque chose de bon va venir. Amen. Ce qui me donne de l'espoir, ce sont les projets de Dieu. Amen. Donc tu comprends maintenant que toi et moi, pour réussir, nous avons besoin impérativement de connaître les projets de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel projet de Dieu qui nous donne quoi? De l'avenir et de l'espérance. C'est quoi? Les projets de paix. Donc il faut définir quels sont quoi? Les projets de paix que Dieu a prévus pour nous. Mais je ne vais pas avancer là d'abord. Comment connaître les projets de paix de Dieu qui sont censés quoi? Nous donner un avenir et de l'espérance si on ne connaît pas Dieu lui-même. Amen. Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de problèmes, mais seuls les desseins de Dieu, seule la volonté de Dieu s'accomplit. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Comment connaître quoi? Le plan de Dieu, c'est Dieu même qui a tracé le plan, on ne le connaît pas. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes peuvent écrire quelque chose et tu peux lire l'écrit d'un homme sans le connaître pour mettre en application. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour Dieu, on ne lit pas les choses sans le connaître. On le connaît et on lit ce qui l'appartient et on applique et on a un avenir certain. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc si je veux avoir un bon avenir, l'avenir veut dire quoi? Je veux passer à un autre niveau. Le futur doit être bon. Si je veux passer à un autre niveau, il faut que je sois quoi? En paix. Ou j'ai une relation, ou j'ai une connaissance du Dieu qui va m'envoyer dans ce niveau. Personne ne peut rentrer dans le futur, dans un futur glorieux, dans un haut niveau, s'il n'a pas la connaissance de Dieu. Mais aussi pour connaître Dieu aussi, c'est difficile. Parce que la Bible dit que Dieu est quoi? Insondable. On est d'accord, non? Amen. Dieu est insondable. On ne peut pas quoi? Le maîtriser. Donc pour connaître Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. Or la Bible dit que Dieu est insondable. Or pour connaître quelqu'un, il faut le sonder. Il faut l'étudier. Sonder, étudier, regarder. Or Dieu, la Bible dit qu'il est insondable, il est impénétrable. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour le connaître? Il faut, suivez-moi bien, il faut que nous ayons une soif de rechercher ce Dieu. Une soif de le connaître. Quand Dieu va voir que tu as tellement soif de le connaître, qu'est-ce qu'il fait? Selon Jérémie 29, le verset 14, il dit, je me laisserai trouver par vous. Amen. Ça veut dire, si on trouve, on sait Dieu qu'on le trouve, en réalité, c'est parce que Dieu s'est laissé trouver. Parce Amen. Que Dieu est tellement vaste qu'on ne peut pas le connaître comme ça. Mais Dieu peut se laisser trouver pour qu'il nous montre les projets qu'il a pour nous, afin que nous ayons de l'avenir. Mais pour qu'il se laisse trouver, il te faut quoi? Il te faut manifester un niveau de soif. En fait, fais de quoi? Je reprends. Ne fais pas des projets de Dieu l'objet de tes recherches, mais fais de l'objet de tes recherches Dieu qui a des projets. Amen. Ne fais pas l'objet de tes recherches les projets de Dieu. Fais l'objet de tes recherches de façon profonde et sincère le Dieu qui a des projets. Car si tu as trouvé le Dieu qui a des projets, il sera avec toi, il te montrera ses projets et grâce à ses projets, tu vas atteindre le niveau supérieur. Amen. 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 Mais pourquoi Dieu dit, je me laisse trouver? Parce qu'il faut que Dieu voie que quand tu le cherches avec un élément qui contient ta vie. Je reprends. Dieu se laissera trouver par toi. Lorsque tu vas le trouver, tu vas le chercher avec un organe qui est en toi, qui symbolise ce qu'on appelle la vie. Amen. En fait, tu dois montrer à Dieu que sans lui, ta vie n'est rien. Mais comment tu peux montrer à Dieu que sans lui, ta vie n'est rien? Il faut que ce qui fait ta vie, tu lui donnes.
Dieu dit, Seigneur, sans ta vie, je n'ai pas de vie. Alors tiens ma vie. Alors quand Dieu voit, suis-moi bien. Toute personne vit parce que quoi? On trouve que la vie est précieuse pour nous. Donc quand tu mets ta vie entre les mains de quelqu'un, tu es en train de dire à la personne quoi? Que ma vie dépend de quoi? C'est que ma vie meilleure est en tes mains. Or, l'organe de notre corps, qui est notre vie, que nous devons dédier à Dieu, c'est notre cœur. Proverbe 4, le verset 23, il dit quoi? Vous connaissez ça par cœur. Garde ton cœur, plus que toutes choses, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Donc, l'élément qui permet à Dieu de se laisser trouver, c'est mon cœur. Et le verset 13 même, de Jérémie 29, dit. Jérémie 29, verset 13. Il dit, vous me cherchez. Oui. Vous me chercherez. Oui. Et vous me trouverez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Donc Dieu se laisse trouver. Pourquoi? Pas parce qu'on l'a cherché avec notre intelligence. Mais on l'a cherché avec quoi? Notre cœur qui est notre vie. Amen. Quand tu cherches Dieu avec ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Sans ta vie, ma vie n'est rien. Amen. Tu veux avoir un avenir meilleur, tu veux passer dans un futur qui est le plus haut niveau de réussite de ta vie. Fais de ton cœur l'objet de recherche permanente de Dieu. Pas des choses de Dieu. Amen. Nous devons avoir un cœur. De toute façon, tu veux avoir un futur meilleur. Celui qui va te faire accéder au niveau supérieur, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu qui a conçu l'avenir, qui te fera quoi? Pénétrer dans ton avenir meilleur. Mais pour qu'il puisse, te révéler ces choses et te suivre, il faut d'abord être en alliance avec lui. Il faut le rechercher. Quelqu'un dit amen. Il faut que Dieu soit l'objet de ta recherche. Mais il dit, la seule façon de le trouver, il se laisse trouver. Mais quand Dieu même se laisse trouver, il y a, c'est là où je vais parler. Il y a des efforts à fournir. Trouve-moi Deutéronome 4. Deutéronome 4 parle bien de ça là-bas. Vous me cherchez, vous me trouvez. Deutéronome 4, 29. Deutéronome chapitre 4, le verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu, oui. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il dit quoi? De tout ton cœur et de toute ton âme. Donc pour que j'arrive à trouver Dieu, chercher Dieu et le trouver, suis-moi bien. Il y a un effort à fournir. Amen. Ils ne comprennent pas. Waouh. Non, pour qu'on trouve Dieu, c'est parce que Dieu s'est laissé trouver. Mais pourquoi Dieu s'est laissé trouver? Parce que Dieu sait que nous avons fourni des efforts pour le chercher. Parce que le mot chercher, c'est quoi? C'est essayer de trouver, c'est fournir des efforts. Ah, c'est ça votre problème. Amen. Quand Dieu dit vous me cherchez, ça veut dire que pour trouver Dieu, il faut fournir des efforts. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça dans ton élément de confort et tu sais trouver Dieu. Non, il y a des efforts conséquents que tu dois fournir. Mais d'où doit provenir ces efforts-là pour trouver Dieu, pour que je trouve ces projets qu'il a pour moi, pour avoir un avenir meilleur, pour que je puisse vivre le second, l'autre niveau qui est le niveau supérieur. Il y a deux organes. Il faut que je fasse des efforts au niveau de quoi? De mon cœur. De se relier à Dieu. Amen. Il dit, vous cherchez Dieu de tout votre cœur d'abord. Le cœur, c'est ta vie. Le cœur, c'est le siège de ton être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es de tout. Dieu tout puissant. Oh oui, que tu es de tout mon être. De tout mon être. Alors, Dieu tout puissant. Niveau, il faut que vous me cherchiez.
Je dois fournir des efforts au niveau de mon cœur. Ça veut dire que alors que mon cœur est triste, alors que mon cœur est rempli de beaucoup de problèmes, je dois tout faire malgré les problèmes, de le maintenir toujours où? Sur Dieu. Alors que les hommes veulent faire basculer mon cœur par les chagrins, par les déceptions, quel que soit ce que tu vis, il faut que tu arrives à quoi? Maintenir ton cœur sur Dieu. Mais il dit encore, vous me cherchez, vous me trouvez parce que vous les cherchez de toute votre âme. Ça veut dire que ce n'est pas seulement quoi? Ton cœur, mais ton âme. Nous savons que le premier organe que Dieu a créé, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est l'esprit et l'âme. Amen. C'est l'âme. On dit souffla, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire, il faut quoi? Rechercher Dieu, pourquoi? Pour construire ton être intérieur. Amen. Construis, tu veux avoir un avenir meilleur sur le plan physique, recherche Dieu pour que Dieu construise quoi? Ton être intérieur. Rechercher Dieu avec mon âme, c'est rechercher Dieu jusqu'à ce que quoi? Mon être spirituel qui me maintient avec Dieu soit dans une position que Dieu aime. De tout mon être, alors, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Abba, Babo, Cheke, Tebando, Chatata, de tout mon être. Alors se lève, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, oh. Tu levais, et du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié. Tu levais, jusqu'à son couchant, que ton Seigneur y avait, que ton nom soit sanctifié. Adonai, plus haut, plus haut. Tu levais, du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à au chant, que ton Seigneur y avait, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Chante ce soir, Adonai. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Ce soir, j'aimerais te dire, fais de Dieu l'objet de tes recherches. Fais de Dieu ton aspiration première. Parce que si tu fais de Dieu l'objet de ta recherche, j'aimerais te dire, Dieu a des projets. Des projets qui vont construire ton avenir. En d'autres termes, si tu es en bon terme avec Dieu, Dieu te fera goûter un avenir meilleur. Alors tu pourras dire comme 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Il dit, si vous avez goûté au Seigneur. Amen. Il dit, si vous avez goûté au Seigneur. Il dit, approchez-vous de l'Éternel. Approchez-vous de Dieu. Amen. Pierre vivante. Lis-moi ça. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Qu'on recherche Dieu, que tu le goûtes. En fait, je comprends pourquoi tu es triste. Je comprends pourquoi tu es désespéré. Je comprends pourquoi tu ne crois plus à un avenir meilleur. Quand tu regardes les conditions de vie dans lesquelles tu te trouves, elles sont différentes de quoi? De ce que tu aurais souhaité. Mais Dieu dit, ce que tu aurais souhaité n'est pas encore tard. Si tu le recherches et que tu le trouves, que tu le goûtes, amen, tu verras qu'il est bon. Amen. Tu verras que ton heure de mort, ton heure de gloire n'est pas encore passée. Car la gloire que tu as vécue dans le passé, celle que Dieu a tracée pour toi, te fera oublier tous tes problèmes. Amen. Lis ça vite, oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Et puis, afin que vous le... Le verset 2. Si vous avez goûté... Il dit, si vous avez quoi goûté? Que le Seigneur est bon. Ah, dis amen bien. Amen. Ça veut dire quoi? Si je recherche Dieu et que je le trouve, amen, amen, alors je pourrais goûter qu'il est bon. Amen. Ça veut dire que Dieu a un goût, mais il n'a pas un goût amer. Même si en ce moment, j'ai vu quoi des difficultés, même si c'est bizarre, cherche à goûter. Ça veut dire que Dieu est comme un aliment. Dieu est comme un aliment, quand tu manges, tu vois que c'est bon.
ça veut dire que ça vient quoi? Rassasier l'âme. Amen. Non, je te dis là, tu es découragé parce que tu n'as pas encore goûté Dieu. Quand tu as goûté à Dieu, même quand tout est difficile, tu crois que demain ça va aller. Amen. Je te pose la question, quel Dieu as-tu goûté? Non, tu n'as pas encore goûté Jésus. Parce que mon Jésus, si tu l'as goûté, tu ne le laisses pas. En fait, Jésus est un goût, tu comprends, non? Même quand tu as fini de consommer de façon physique, le goût est encore dans ta bouche. Non, tu ne me comprends pas bien. Amen. Je te donne comme l'objet de glace. Jésus est comme glace, tu comprends, non? Quand tu finis de laper glace, il y a un moment donné, glace est finie dans ta main. Mais ta bouche est encore sucrée, tu as l'impression que tu es en train de laper. Amen. Ah, non, ah, je prie aujourd'hui que Dieu soit l'objet de tes recherches. Amen. Si Dieu est l'objet de tes recherches, quand tu vas le goûter, tu pourras, j'ai dit, tu pourras témoigner que ce Dieu est bon. Amen. Tu as eu une autre quoi? Tu as eu une autre expérience avec Dieu. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu. Tu as eu une autre expérience de la vie qui te fait croire que tout est devenu bizarre. Une autre expérience de la vie où des personnes t'ont fait croire que Jésus-Christ, en lui, il n'y a rien de bon. Je te dis, c'est faux. Recherche-le véritablement. Amen. Quand tu vas le rechercher véritablement, quand tu vas le goûter, tu ne laisses pas. Amen. Je dis, tu ne laisses pas. Amen. Parce qu'il n'y a aucune autre nourriture à part lui. Il n'y a aucune autre amitié qui est si bonne à part lui. Amen. Pourquoi? Parce que l'amitié des hommes qu'on qualifie de bonne amitié finit toujours par la trahison. Amen. Mais Jésus-Christ ne nous trahit jamais. Quand tu as goûté à l'amitié de Dieu, ah non, quand tu as goûté à l'amitié de Jésus, tu n'as plus envie d'avoir un autre ami. Amen. Parce que c'est, non, quand ton ami est ton ami, il restera toujours ton ami et préservera tes secrets lorsque vous allez vous entendre. Mais le jour où il y aura quoi? Des tensions entre vous deux, il divulgue. Oh Dieu, suis-moi bien. Même s'il y a des tensions entre vous deux, ça veut dire quoi? Si toi tu as péché et puis tu es éloigné de Dieu, il y a une distance. Tu ne vas jamais voir Dieu en train de te trahir. Dieu gardera tes secrets. Mais il va utiliser ce temps-là pourquoi? Pour te ramener. Il ne va pas utiliser tes secrets pour t'éloigner de lui. Mais Amen. Il va utiliser tes secrets qui sont entre ses mains pour que tu te rapproches de lui. Mon seul appui. C'est l'ami, ma voix est c'est ton Jésus. 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 Mon seul appui. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Cet ami, il me chantons Jésus. 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 Aïe, 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 plus haut, plus haut, plus haut. Mon seul appui. Mon seul appui. Aïe, aïe, aïe. C'est l'ami. C'est l'ami. Chantons Jésus. Jésus, oui, les gens s'en vont. Cet ami, il me chante Jésus. Jésus, il dit, goûtez pour voir que le Seigneur est bon. Amen. Mais pour pouvoir goûter le Seigneur, il faut. Pour pouvoir le goûter, ce n'est pas loin. Il faut être proche. Amen. Le verset qui se dit quoi? Approchez-vous, nous continuons dans ce approchez-vous même verset. Approchez-vous de lui. Il dit, approchez-vous de qui? De lui. Oui, continue. Pierre vivante. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Vivant. Ça veut dire quoi? Pour Jésus, lorsque nous approchons de lui, ceux qui nous considèrent de morts, amen. Ils vont voir que nous sommes vivants. Bon, vous ne me comprenez pas. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça veut dire, même quand tu sens que tout est fini, quand tu sens que tout est bloqué, dans ton état de mort, de découragement, de plainte, de maladie, approche-toi. Amen. Dès que tu t'approches, tu deviens quelqu'un qui vit. Pourquoi? Amen. Parce que tu peux réagir comme Job. Job vivait l'amertume totale, dans la maladie et désolation totale. Mais Job va dire quelque part, il dit, c'est vrai que ma peau colle sur mes os, que la maladie est en train de me dévorer. Mais je sais que quoi? Que mon rédempteur est... Oh non, non, non. Non, tu me comprends. Il dit, je sais. Ça veut dire que personne ne l'a appris. Il est convaincu. Il connaît ce Dieu-là. Amen. Et qu'il sait. Parce qu'il le connaît, ce Dieu s'est révélé à lui pour dire, il n'est pas mort comme les autres. Amen. Même si les gens pensent qu'il est mort, lui, Job,
même si les gens pensent qu'il est mort, mais la vie, lui ça, la vie de Job lui-même dépend de la vie de Dieu. Je sais que mon rédempteur n'est pas mort, mais il est vivant. Amen. Et puis quoi? Il se lèvera d'où? En dernier de la terre. Ah, je ne sais pas qui a conclu sur ta situation. Je ne sais pas quelle méchanceté des hommes qui t'a pointé dans un coma. Mais j'aimerais te dire, si tu t'approches du Seigneur et que tu le goûtes, tu sauras que Dieu est vivant. Amen. Et quand Dieu est vivant, tout ce qui était mort en toi reçoit sa vie. Amen. Reçoit sa vie. Amen. Reçoit sa vie. Amen. Les gens s'en vont. Cette âme. Ah, c'est ça. Jésus. Oui, c'est ça. Exprime l'état de ton cœur. Jésus. Mon seul appui. Mon seul appui. C'est l'ami. C'est l'ami. C'est j'entends Jésus. 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 Oui, les gens s'en vont. Cet ami me reste. J'entends Jésus. J'entends Jésus. Plus haut, plus haut. Cet ami, cet ami. Il connaît. Il est mon doux sauveur. Doux sauveur. Doux sauveur. Il dit, approchez vos pierres vivantes. Goûtez. Goûtez qu'il est bon. C'est vrai que tout est difficile. Mais la bonté de l'Éternel est encore disponible. Amen. Tu peux encore aller au niveau supérieur. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de ta vie. Il y a eu peut-être une régression. Toi, tu as régressé. Toi, tu as rétrogradé. Mais Dieu n'a pas rétrogradé. Amen. Dieu est encore Dieu. Il est toujours Dieu. Seulement, Dieu veut que tu le goûtes. Amen. Mais tu ne peux pas goûter quelque chose que tu n'as jamais vu ni touché. Dieu veut que tu le savoures. Donc, cherche-le. Trouve-le avec ton cœur et tout ton être. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Que ton nom est infini. Mon grand, que ton nom est infini, mon grand, sa majesté, sa majesté, sa majesté, s'élève, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom. Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini. Quand tu goûtes au Seigneur, tu sais que son nom est infiniment grand. Que ton nom est infini. Sa majesté, sa majesté, sa majesté, s'élève. Que ton nom est infini. Aïe, 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 plus haut, plus haut. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Il est le Dieu très haut. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Jésus-Christ est le Dieu très haut.
majesté, sa majesté, sa majesté, s'élève sur les mots de Céleste, que ton nom, sa majesté, sa majesté, sa majesté, sa majesté, sa majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Quand tu as goûté à ce Dieu, tu peux voir qu'il est digne de confiance. Amen. Tu peux voir qu'il n'abandonne pas. Tu y es dit, digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire, Yahweh. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux qu'on adore le Seigneur ce soir. Viens le goûter, goûte-le. Goûte au Seigneur. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Quand tu as goûté à ce Dieu, tu vas voir qu'il est bon. Mais comment tu vas savoir que ce Dieu est bon après l'avoir goûté? Tu sauras que tu ne peux pas t'approcher de lui n'importe comment. Un, tu dois le rechercher de tout ton cœur. Tu dois fournir des efforts. Ça veut dire que tout ce qui est comme fardeau dans ton cœur, tout ce qui est émotion qui troublait ta stabilité au niveau de ta personne, tu dois tout faire pour quoi? Pour déposer. Et lorsque tu finis de déposer, tu peux le goûter. Et quand tu le goûtes, tu sais qu'il est quoi? Il est digne d'être adoré. Amen. Je veux te louer. Oh, paraclet. Saint-Esprit, bien. Je veux t'adorer. Oh, paraclet. Un autre niveau. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer. Je veux te louer. Oh, paraclet. Je veux t'honorer,
chete baro shababosh. La babosh e balaran de bra. Samanda la bocha, iba ba 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 la na la deche. La ba bocha leve, e ba bocha iba ba 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 bo. Parle, parle à ton Dieu. Kebo shiman de le kesh. Kamande kavarosh. Quand tu finis, quand tu goûtes au Seigneur, tu te rends compte qu'il est bon. Un pied deux. Il dit, goûtez le Seigneur et vous verrez qu'il est bon. Quand tu commences à expérimenter Dieu à un autre niveau, quand tu commences à opérer avec Dieu dans un autre niveau, tu te rends compte que Dieu est différent de ce que tu penses. Amen. Dieu est différent de ce que tu t'imagines. Tu es excellent. Tu es. Tu es plus grand que ce que l'on est. Yahweh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Écoute au Seigneur, c'est ta réaction qui est là. C'est quand tu n'as pas encore goûté. Mais quand tu as goûté au Seigneur, tu es revenu à moi. Tu m'as montré que tu pouvais tout faire. Yahweh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Supérieur. Le goût bon, c'est le niveau élevé que tu cherches. Mais ce goût-là pour l'avoir,
c'est pas goûter les hommes qui vont t'envoyer dans ce goût. Amen. C'est goûter à Jésus. En d'autres termes, si je goûte à Jésus, je vais passer à un niveau de senteur qui est peut-être senteur, une bonne odeur. En fait, savoure Dieu. Goûter Dieu, c'est le savourer. Goûter Dieu, c'est le rechercher. Et lorsque tu l'auras goûté, tu te rendras compte qu'il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Quand quelqu'un n'a pas encore goûté, quand quelqu'un n'a pas encore savouré, tu ne connais pas l'immensité de ce Dieu. Mais quand tu l'as goûté, parce que tu l'as vraiment cherché, tu te rends compte de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Goûtons-le, goûtons-le ce soir. Goûtons-le. Alléluia. Goûtons-le ce soir. Goûtons-le à travers l'adoration. Goûtons-le. Goûtons-le. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu restaure ton âme. Amen. Restaure ta personne. Amen. En conclusion, ce soir, pour cette première partie, qu'est-ce que tu dois retenir? Retenir que pour passer à un autre niveau, qui est un avenir meilleur, et crois que cet avenir-là sera meilleur pour nous. Amen. Il va falloir que nous découvrons les projets de Dieu. Amen. Mais pour découvrir les projets de Dieu,
il faut connaître celui qui a dit ses projets, qui est l'Éternel lui-même. Amen. Et lorsque tu auras cherché l'Éternel, que tu l'auras trouvé, et que tu le goûtes, tu te rendras compte qu'il est bon. Amen. Ça veut dire, si ta vie est encore amère, as-tu vraiment goûté au Seigneur? Amen. Parce que même dans les difficultés, quand tu goûtes au Seigneur, il rend ta vie sucrée. Amen. Amen. Tu es dans la mer, mais tu sens le goût sucré. En fait, tu sais... Non, ils ne me comprennent pas. Si tu as goûté au Seigneur, même si ta vie est amère en ce moment, tu sens un goût de sucré. C'est-à-dire que dans les difficultés, tu espères que quelque chose de nouveau. Amen. En fait, à partir d'aujourd'hui, on n'espère plus parce qu'on croit, on pense. On espère parce qu'on a connu Dieu, on l'a recherché, on l'a trouvé. Et il détient entre ses mains notre destinée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te fortifie. Amen. Dieu te fortifie. Amen. C'était là, cette première partie. Demain encore, nous allons pénétrer encore dans les profondeurs de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le message ou ce temps d'adoration t'a fait du grand bien? Amen.